Génial. Meilleur jeu rétro de tous les temps. Ah, j'aime ça. Ah, moi je dis meilleur jeu rétro de la Game Boy de tous les temps. Avec une intro pareille, ça annonce que du bonheur. Bonjour tout le monde, je suis Alice et aujourd'hui nous sommes de retour en 2015 pour un nouveau rétro Resident Evil sur Game Boy. Oui, ça existe. Alors, pour la petite histoire, Resident Evil c'est sorti sur PlayStation, sur un remake sur la GameCube, il y a eu sur la Saturn aussi. Et il devait y avoir un portage sur Game Boy, celui que vous voyez actuellement. Sauf que, étant donné que ce jeu utilisait pas mal d'espace, enfin demandait pas mal d'espace, il fut annulé sur Game Boy. Je vous redétruis les oreilles au passage. Il devait être, sauf que le jeu Game Boy a été annulé. Mais il en est resté des fichiers. Et grâce à la magie de l'internet, aujourd'hui nous avons droit à ça. Ne venez pas vous plaindre. La ferme, la ferme, la ferme, la ferme, la ferme, m'en fous. New game. Alors, Chris Redfield pixelisé dégueulassement, ou bien Jill Valentine. On va prendre Chris parce que rien à foutre. Musique dans l'ambiance. Alors, nous sommes échappés et nous sommes dans une maison. Il y a dans un endroit où nous sommes safe. Maintenant, alors ce que vous voyez les chiffres, je ne sais pas ce que c'est. Regardez ça, c'est magnifique. L'intro la plus magnifique du monde. Je ne sais pas ce qui se passe. Barry, où est Barry? Faut que je prenne une voix grave. Bah, il a eu des problèmes, mais non. Qu'est-ce que c'est? Un coup de feu. Je vais y aller et checker ça. Ok, Jill et moi allons rester ici dans le hall afin de trouver de l'emergency. Je ne sais plus l'emergency. Chris, fais attention. Enfin, prends soin normalement. Non, c'est plutôt fais attention. Et alors là, meilleur temps de chargement du monde. Génial. Et bam, voici le jeu. Avec la musique. Écoutez cette musique puissante. On s'y reconnaît totalement. À moi je dis, génial. J'ai le son à fond dans le casque, c'est horrible. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'enlever. Non, je peux pas enlever les basses. Voici le jeu Resident Evil sur Game Boy. C'est extrêmement laid. Alors ne vous étonnez pas de ce que vous voyez en bas, c'est normal. C'est les petits inconvénients. Donc je vais essayer de vous expliquer en gros. À quoi correspond ce que vous voyez. Les quatre chiffres là en bas à droite correspondent à l'orientation dans laquelle votre personnage se trouve. Celle-ci vous indique la. Alors je sais pas si c'est la direction verticale ou horizontale de la pièce dans laquelle vous êtes. Et là, hop, changement de plan. Il y a un autre chiffre qui change en fonction de la zone dans laquelle vous êtes. Selon le jeu. Avec B, on peut courir normalement. Non, on court avec A. Regardez, attention. Voici Chris qui marche. Magnifique. Et maintenant, voici Chris qui court. Il court avec B. Et là, je sais qu'il faut prendre ceci. Est-ce que tu veux prendre cet emblème en bois? Oui. Et thème inclus. En appuyant sur Select, vous avez accès à votre inventaire. Donc évidemment, on est en dur. Désolé si je tue vos oreilles. Alors, un couteau de combat que je m'empresse d'équiper. Un spray. Et mon item. Et pause. Ça fait pause. Voilà. Propagande discrète, calme. La pause que vous allez mettre le plus souvent pour... détendre vos oreilles, j'ai envie de dire. Et on se remet dans l'ambiance dégueulasse. Regardez ça. C'est beau. On reconnaît tout. Ah, ça me donne envie. Ah, je sens qu'un jour je joue à ce jeu. Je vais vous en faire un. Je vais vous en faire un let's play complet. Ça va être génial. Je vais m'aider des solus par contre. Hein. Et là, attention. Attention. Attention.
meilleure image de tous les temps. Regardez-moi ça. Magnifique. Et là, je connais la strat. Hop, on se barre. Le trigger est déclenché de toute façon. Et nous revenons dans la salle. Je connais un petit peu les jeux. Je n'ai pas joué à la version PlayStation. Attention, je vais mettre un endroit pour que vous voyez à quel point Chris est magnifique. Regardez-moi ce mouvement de couteau. Alors, pour utiliser votre arme, c'est B enfoncé et appuyer sur A. Regardez la position de combat. Hop. Je donne des coups de couteau. Je vous jure que je donne des coups de couteau. Regarde. Voilà, le couteau est invisible. Il rentre dans le mur. C'est magnifique. Meilleur. Animation du monde. Et je cours, regardez, je cours bien comme il faut. Je cours comme un déambulé, mais je cours comme un déambulé, ça ne veut rien dire. Phase de texte. Je reviens vous après avoir vu un zombie moche. Wesker, Jill. Il y a quelque chose par terre. Qu'est-ce qui est arrivé à Jill et à Wesker? Pensif. Il y a quelque chose par terre. Est-ce que je vais prendre le Beretta? Le Beretta que Jill laisse à Chris lorsque vous le trouvez. Ce Beretta est vraiment très instructif. Je fais des pompes. Une, deux. Bon. Donc vous voyez, ça c'est la zone 1 du jeu, comme l'indique le chiffre. Et ceci est donc la zone 0. Hop, zone 1. Et je vais aller dans la salle. Alors je ne sais pas où je vais. Montons les escaliers. Ah non, regardez. Regardez. C'est un vieux... un ancien Reaper. Tu peux sauvegarder ta progression ici. Est-ce que tu veux utiliser un ruban encreur? Oui. Je sauvegarde. Chris. Hall, premier étage, je ne sais pas quoi. Alors, vu que ce jeu, c'est, on va pas se le cacher, hein, c'est de la merde en boîte. Je vais pas y jouer longtemps, un petit quart d'heure de gameplay juste pour bien vous bourrer les oreilles. Mais on connaissait quand même que... que c'est moche. Mais l'attention est là. L'attention de faire un bon jeu est là. Ce à quoi je réponds, je vais m'équiper de mon Beretta. On va... Hop, j'ai mon Beretta. Regardez, attention. Chris tire un coup de feu. Magnifique. J'ai juste à tirer tous les zombies du monde. Regardez ça. Alors bien sûr, c'est direction et... B, sinon si vous faites B et direction, bah voilà. Mieux faire comme ça. Je me penche. Je fais des rotations. Et puis voilà. Une statue. Et si je la pousse en marchant? Oh non, la statue tombe. Oh là là. Putain, ce bruit. Mais les meilleurs effets du monde. Oula. Oula. Alors ça, c'est dégueulasse. On comprend pourquoi ça a été abandonné. On comprend tout de suite. Meurs. Meurs. Souffre. Il est considéré comme mort. Hein. Alors, voilà. Un zombie à genoux, considéré comme mort. Non mais. Chris, sois pas le con. Voilà. Et si je descendais? Je touche pourtant la zone de chargement de cet escalier. Je suis bloqué. C'est franchement de la merde. C'est franchement de la... C'est drôle, mais c'est ça. C'est juste... C'est drôle. Tellement c'est mal fait. Ça doit être ça. Regardez ça. Les mêmes visions que dans le jeu.
sur PlayStation. On descend les escaliers. C'est beau. Meilleures animations du monde. Meilleur chargement du monde. Hop, j'esquive. Hein, parce que j'ai pas le temps. Putain, le zombie, comment il a marché. Regardez, il marche, le zombie. Une porte, je suis sauvé. Je sais pas où je suis, j'ai pas de plan. Et il est ressorti sur DS, c'est vrai. C'est vrai. Ah mon dieu. 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 Oh là là. Oh là là. Vite, technique du Oh non. Ah mon dieu. Ah mon dieu. Ah là là. Ma santé est faible. Mauvaise. Voilà, c'est même pas... C'est même pas change de couleur, c'est bad. Tu vas mourir, petite babe. Petite merde. Petite sourasse de furoncle que tu es. Tu vas crever comme une bite. Va donc jouer au vrai jeu. Ah mon dieu, mais ça doit être l'endroit où il y a la plante. La plante Entai Kamen, ouais. Vous savez quoi, je vais mourir là, je vais arrêter. On dirait qu'il y a un objet. Je ne peux pas y accéder. Je veux mourir par cette plante. Non. Bien. Dans ce cas, retournons affronter la horde de zombies et faisons le tour. Meilleur jeu du monde. Meurs. Souffre. Je suis pas sur la même ligne, mais souffre. Meurs. Voilà, il est mort. La règle, c'est zombie à genoux, mort. Je suis à la zone 304 du jeu. Meurs, meurs. Sauf. Non, il a changé de ligne. Je ne peux pas le tuer. Si, je peux le tuer. Je vais chercher à comprendre. J'étais pas sur la même ligne, on est totalement d'accord là-dessus. J'ai une musique qui me rentre dans la tête, c'est horrible. Ah, je fais le Mario depuis tout à l'heure, mais putain, je regrette ce que je suis en train de me faire faire. Donc 6 balles au lieu de 5, très bien. Non mais je retiens. Non mais avance, avance, Mongoloman. Espèce de sourasse. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Non, Mongolman, non. Non mais sourasse, espèce de petite merde, sourasse de furoncle que tu es, pourquoi tu ne fais pas ce que je te dis? Putain, si le jeu est speedrunné, je tire mon chapeau à celui qui l'a fait. Je vous dis même bravo, parce que se taper cette musique. Le faire, je suis sûr qu'il y a pas mal de skips vu que c'est une version méga chiante et dégueulasse remplie de bugs. De bugs, oui, je ne sais plus parler. Je bugle. Ah, la musique, putain, mais tuez-moi. Putain, j'ai fait le tour. Quel con. Oh, je peux pas passer ça, mais c'est de la merde, la Game Boy n'a pas besoin de temps de chargement. Putain, mais qu'est-ce que tu me fais, le jeu? Tu me fais n'importe quoi. Tu me déçois. Oh, je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. Ah, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il y a de changé ici? Mais bien sûr, j'ai fait tomber un truc. Et ça a libéré quelque chose. Mais qu'est-ce que ça peut-il être? Mais c'est un... C'est... Merde. Ah putain, je sais, mon anglais défaille. Mon anglais défaille. Tiens, meurs. Meurs, pauvre. Mon anglais défaille. Un bijou bleu, voilà.
Je vais m'arrêter là parce que ça me fait chier. On va quand même faire un gros plan de Chris. Un plan de Chris bien propre, voilà. Sur l'écran de pause, parce que on l'a mérité cet écran de pause. Voilà, c'était donc Resident Evil sur la Game Boy. J'espère que vous me détestez maintenant. Si c'est le cas, je vous invite à aimer cette vidéo pour approuver votre mécontentement envers moi et à vous abonner pour toujours me mettre des pouces rouges parce que j'adore ça, de commenter pourquoi j'ai fait ce jeu, quelle torture vous avez subi et aussi de me donner d'autres jeux rétro à tester. Je choisirai bien sûr de vous abonner, de me suivre sur Twitter @basraeus1. Bon jeu et à la prochaine.